Bienvenue à cette 35e roulade littéraire corsée, la première de l'année 2020, la deuxième de la cinquième saison. Et donc pour ceux dont c'est la première fois, le principe des roulades littéraires corsées, c'est donc en fait de faire une exploration au cœur de la littérature en découvrant soit un auteur, le cas ce soir avec Pierre Morlaix, soit un éditeur, soit un illustrateur ou une illustratrice, évidemment c'est chaque fois possible au féminin aussi, libraire, bibliothécaire, ainsi de suite. Et dans un entretien qui dure à peu près environ une heure, c'est de retracer le parcours, de découvrir ici la dernière publication qui vient de sortir et qui sera notamment à la Foire du Livre. Et je vais laisser la parole à Willy. En gréco-latine, tu n'étais pas ennuyé? Oui. Tu t'es ennuyé? Je me suis ennuyé. Oui, parce qu'il y a des voyages extraordinaires qu'on découvre au sein de l'ouvrage, mais j'ai l'impression que plus tard aussi, à l'université, tu ne t'es pas ennuyé non plus. Je me suis ennuyé en droit, je me suis particulièrement ennuyé. Mais en fait, si je me suis ennuyé en gréco-latine, c'est essentiellement, ce n'est pas par un sentiment de répulsion à l'égard des langues anciennes, mais tout simplement parce que très rapidement j'ai eu le sentiment que le monde qu'on nous décrivait à travers ces langues était un monde totalement factice. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la vie de notre ami n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu les tempêtes sournoises qui ont forcé bon gré mal gré à changer de cap, évidemment, à rejoindre le port le plus proche, sinon son port d'attache. Et à l'aube d'une retraite bien méritée, secouée par les turbulences de la vie ou de la mort, Morlaix éreinté sombrera non pas dans les bras de Morphée, mais dans la douce quiétude de la littérature, accompagnant son ami, sa compagne, son épouse, lors de diverses rencontres organisées par l'EV, enfin ligné, il hume, il flaire, il observe, il écoute les différents acteurs de ce petit monde. Il parle avec les auteurs et les auteureux, avec les éditeurs et les éditrices qui chaperonnent leur pouleur. Et après une courte période de nidification, l'homme est amené à formuler quelques avis. Avis discret à l'oreille de sa présidente. Il faut reconnaître que l'association des écrivains belges a besoin d'un sérieux ou léger dépoussiérage, nous ne pas comment on le voit. Et si les souris ne courent pas sous les lambris, et bien que les rats ne fomentent pas, tout ce petit monde s'observe. Et lui, en lui, un vieux rêve refait surface. Écrire. Et donc voilà un petit peu le challenge qui se présente pour accompagner sa présidente, c'est d'écrire quelque chose. Donc, non pas aller fouiller dans les tiroirs, mais dans les tiroirs des vieux manuscrits, des choses qui sont là dormantes, mais c'est un petit peu se souvenir, je vais dire, de voyage, d'études, d'observation et de découverte. Et la construction qu'on va découvrir dans l'ouvrage ici est quelque chose, selon moi, d'unique. Parce que lorsque nous l'avons découvert, Monique et moi, il y a quelques mois déjà, on s'est dit, oula, un tremplin, j'appelle un tremplin, c'est un ouvrage qui t'aide à découvrir d'autres choses que ce que tu connais habituellement, ou à enrichir un petit peu nos différentes connaissances. Et c'est vrai que là, on est parti pour de beaux voyages, et on fait un bond en arrière, et on se retrouve entre le deuxième et troisième siècle de notre ère. Troisième siècle. Troisième siècle. Troisième siècle. Pourquoi ça? Pourquoi cette époque? En fait, j'ai toujours été, enfin, dans le cadre d'un intérêt plus général pour l'histoire, particulièrement sensible à ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Donc celle qui débute au IIIe siècle et qui se prolonge jusqu'au VIe ou au VIIe siècle. C'est une période de crise, mais c'est aussi une période de bouillonnement, de bouleversement. Et finalement, l'histoire n'est jamais aussi attrayante que lorsque son devenir s'emballe. Or ici, le devenir s'est emballé.
C'est une période dure, cruelle, foisonnante à tous les égards. Et elle a toujours exercé sur moi une certaine fascination. Et ceci s'en suivit. Oui, disons, on va découvrir une dizaine de personnages, il y a 5 textes, parce que l'originalité, un petit peu, ce n'est pas un roman. Ce ne sont pas des essais, quoique on pourrait flairer un peu du Montaigne ou un peu d'autres personnages, parce qu'encore une fois, c'est la psychologie et l'analyse des différents personnages qui est hyper intéressante. Parce qu'encore là, on va observer différents caractères, la symbiose qui peut se créer entre les différents caractères, mais aussi s'ils sont de castes différentes, c'est voir comment ils vont réagir l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, je dois dire, enfin psychologue, là tu as observé finement, je vais dire, différents personnages, et c'est ça qu'on découvrira par après, en fin d'ouvrage, où c'est bien structuré. D'où vient cette idée un petit peu d'analyser ces personnages de cette façon-là? D'abord, ce n'est pas un livre préparé ni préconçu. Je me suis vraiment laissé porter. Et je me suis laissé porter par chacun des personnages, que j'ai d'ailleurs créé au fur et à mesure. Et je crois qu'il y avait une préoccupation de départ. Mais il est évident que dans ce domaine, l'intention de l'auteur n'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la liberté du lecteur. Mais ce qui est beau à découvrir au départ, c'est que tu vas un petit peu humer des personnages historiques que tu vas transformer. Mais non, précisément, ce sont des gens qui sont en dehors de l'histoire, qui la subissent. Ce ne sont pas des acteurs ou ceux qui croient être les acteurs de l'histoire. Il ne faut pas oublier que nous sommes en présence, au fond, de la société romaine, ou dite gréco-romaine, parce que finalement, de l'Empire romain. Dans la société romaine, à l'époque, c'est, en grossissant le trait, 10%, ou même moins, de ceux qu'on appelle les honestiores, qui sont à la fois les riches et les puissants, et 90% d'humiliores, c'est-à-dire les pauvres andouilles. Les pauvres andouilles qui comprennent des esclaves, des libres, enfin, qui, dont le statut a tendance, finalement, à se fondre. Alors, nous pouvons, jusqu'à un certain point, nous représenter, grosso modo, ce qui pouvait se passer chez les honestiores et dans leur tête. C'est un peu ce qu'a fait, dans un ouvrage magistral, Pascal Quignard avec les tablettes de buis d'Apronenia Abyssia, où il vit la vie d'une patricienne du 5e siècle. Mais que se passe-t-il pour les 90% restants, donc les humiliores, donc les pauvres andouilles? Que se passe-t-il dans leur tête? Comment vivent-ils une vie qui n'a rien d'enviable et qui se situe nettement en deçà des schémas relativement triomphalistes qu'on a essayé avec beaucoup de bien encore des gréco-latines dans les Athénées et les lycées, d'inculquer au potache une sorte de rêve bâti à partir de Pompéi, des édifices romains, etc. Donc, que se passait-il dans la tête de ces gens, au fond? Et là, nous ne le savons pas. Donc, nous pouvons opérer uniquement par voie de déduction. Moi, j'en ai fait des découvertes. Michel a pu le constater quand il y avait quelque chose qui m'interrogeait, qui m'interpellait, j'allais vite voir les sources. Et je dois dire, là, on est parti pour un quart d'heure, une demi-heure de découverte une nouvelle fois. Et encore une fois, les sortir, comme je l'ai retrouvé écrit ici, au fil de l'écriture, pour moi, ça a été un choc, un beau choc, et ce fameux tremplin que je disais tantôt. Et faire un tel voyage au cours de 5 épisodes dans des endroits différents, où on va découvrir toute la Méditerranée, pour ainsi dire, toutes les cultures qu'il y a autour de la Méditerranée à cette époque-là. On va découvrir le flot des différentes populations
Et là, je dois dire, c'est très enrichissant. Mais au départ, quand tu te dis, tiens, je prends ma rame de papier, je démarre, tu sais où tu avances? Non. Absolument pas. Il y a peut-être une réminiscence pour la première nouvelle ou séquence, je ne sais pas si vous appelez ça des nouvelles, des séquences, des textes. C'est pour ça que la collection s'appelle texte. Le premier texte, il y a une très lointaine référence à un personnage historique ou semi-historique, Simon le Mavicien, mais que je transporte, que je transmute. En un personnage de thaumaturge minable, de thaumaturge errant, alors que Simon le Magicien était une sorte de gourou flamboyant. Mais il y a certains éléments communs. Le reste, là, je suis vraiment parti à la vedette en ne sachant pas où j'allais. Tu as déjà ébloui Anne-Michel, évidemment, dès le départ, parce qu'encore une fois, à la lecture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça, c'est la préface d'Anne-Michel. Les juristes ont souvent tendance au dessèchement, à la rigidité. Ce n'est pourtant pas le cas de Pierre Morlaix qui, sous des dehors parfois austères, fabriqué comme une carapace lors d'une longue et brillante carrière dans la magistrature, cache une véritable âme d'écrivain. Où est la lumière morte, s'interroge-t-il ? Au détour de ses fables savantes. L'auteur explore ces temps mal connus de l'Antiquité tardive. On y voyage avec lui naturellement. Les époques se ressemblent, les gens ne changent guère. Il y parle d'homme de rien. Ce pourrait être vous et moi. Ils sont tous victimes de la cruauté du monde. On devine que ça va mal finir. Et de fait, tout finira mal pour ces êtres démunis dont l'histoire n'a pas retenu le passage sur Terre. Pierre Morlaix fait surgir dans chaque nouvelle un éclat de lumière, arrivé sans cri égard, qui donne sens à ses récits. C'est ainsi que « Où va la lumière morte ?» restera dans nos mémoires comme un sauvetage inespéré de ces êtres brisés. L'ouvrage sensible et fort de Pierre Morlaix fait figure d'une véritable planche de salut voguant dans le chaos de nos dérisoires existences. Je vous demande d'applaudir Anne-Michel parce que oui, c'est une préface qui est extraordinaire. C'est une préface qui est magnifique. Je vais un petit peu te demander, quand tu as découvert, est-ce que tu l'as lu au fur et à mesure ou bien tu l'as découvert fini? Non, j'ai assisté à la naissance. Chaque soir, Pierre me montrait ce qu'il avait écrit. J'assistais à tout ça, tous ces êtres. Je n'ai pas vu la sortie de tous ces êtres, d'où ils viennent, dans sa mémoire. Je crois qu'il les avait dans sa mémoire sans le savoir. Ça a été longtemps maturé. Et c'est arrivé comme une naissance, c'est arrivé sans vouloir, de manière naturelle. Un texte interpellant, et heureusement l'éditeur, mais pas trop souvent, nous a mis quand même des petites notes en tout petits caractères que moi j'apprécie. Tu les trouves peut-être superflues, mais disons, c'est un petit plus, c'est une petite lumière pour nous permettre une meilleure compréhension, plus rapide peut-être du texte. Tu as un avis là-dessus? C'est à ta demande ou bien c'est... Non, c'est une demande de l'éditeur. Je n'avais pas du tout conçu des notes. Il n'y en a pas beaucoup. Tant qu'à faire des notes, pourquoi ne pas faire une bibliographie? S'il fallait une bibliographie, il fallait ajouter 50 pages minimum, un tout petit caractère. Non, c'est un souci que je respecte et que je comprends de la part de l'éditeur. D'accord qu'il est peu courant, finalement, de recourir à des notes infrapaginales dans un ouvrage de fiction, mais je conçois que pour certains termes ou certains concepts, ce soit une manière rapide et élégante d'éviter au lecteur des recherches bibliographiques ou des recherches en ligne qui peuvent parfois d'ailleurs s'avérer décevantes ou aléatoires. Je conçois parfaitement. Bon, les études de juriste transpirent évidemment dans le récit.
Et il y a une petite phrase, je vais dire, que j'ai relevée. Cette merveilleuse logique. Oui. Alors la petite dame, elle dit à son compagnon, « Je suis amoureuse de Tranquillius. Donc Tranquillius sera mon amant. Voilà, je suis amoureuse de Tranquillius. Oh non, pardon. Voilà, je suis amoureuse de Tranquillius est une proposition fausse. D'autres propositions fausses, on peut déduire n'importe quoi. Explore un peu, développe un peu, explique-nous. Mais c'est très simple. En fait, le problème, la logique de s'attachant que soit à l'enchaînement des termes ou aux relations entre propositions, ne peut évidemment fournir aucune indication concernant la vérité intrinsèque des termes ou des propositions. C'est un problème éternel. La recherche, évidemment, de propositions intrinsèquement vraies, de tautologie, même Wittgenstein s'est cassé la tête là-dessus. Mais l'idée selon laquelle, à partir d'une proposition fausse ou contradictoire, on peut finalement déduire ce qu'on veut, est une idée beaucoup plus tardive. En fait, c'est un anachronisme volontaire de ma part. Le ex falso sequitur quod bibet, c'est une proposition d'un logicien du XIVe siècle, Albert de Sade. Mais il était parfaitement concevable que déjà à l'époque, cette question soit soulevée, parce que l'héroïne, si je puis dire, s'attache non pas à la logique d'Aristote, mais à la logique des stoïciens. Et la logique des stoïciens n'est pas une logique des termes, mais une logique des propositions. Donc elle anticipe sur le calcul propositionnel qui s'est développé à partir du XIXe siècle. Il faut une logique beaucoup plus moderne que celle d'Aristote. Donc il était parfaitement concevable que quelqu'un qui s'attache au fond à la logique des stoïciens élabore cette conception, sans attendre le XIVe siècle. On n'est pas du tout dans la logique juridique. Non. Enfin, l'une des choses, elle a quand même été, ou il a quand même été visiter les jardins de la jeune dame en question. Oui. Pour son malheur, d'ailleurs. Voilà, pour son malheur. Pourquoi beaucoup de malheur dans l'ouvrage? Mais, si je ne vais pas parler de conception, conception personnelle, d'une analyse, évidemment, point de savoir si la souffrance est coexistante avec à la vie. Mais dans le contexte de l'époque, se développent des conceptions qui sont regroupées, mais qui ont été regroupées finalement par les scientifiques et les chercheurs à la fin du XIXe siècle, sous le terme de gnosticisme. Ce sont des conceptions diverses, mais qui sont essentiellement d'origine, c'est discuté, mais enfin d'origine judéo-chrétienne. Et c'est vrai que des conceptions gnostiques traînent dans bonne partie du livre. Certainement dans le premier texte et dans le dernier. Effectivement. Parce que on peut développer aussi, puis on reviendra à ce que tu dis, parce que donc il y a cinq textes qui se structurent de la façon suivante. Dans la nuit de ce siècle, une lumière fugitive a brillé pour le faux thaumaturge, pour le poète raté, qui est le deuxième texte, pour le soldat perdu, pour l'évêque relat et pour l'esclave en fuite. Donc voilà, cinq, quatre figures un petit peu qui explique ce que tu viens de nous démontrer ici. Mais en fait, pourquoi le malheur, le malheur est évidemment omniprésent, il est toujours omniprésent à toutes les époques et en tout lieu, mais il est particulièrement présent dans cette époque qui est une époque de crise profonde à tous les égards. Et il est subi de manière directe, brutale, par l'essentiel de la population, donc les pauvres.
sauf pour dire les pauvres andouilles, pour ne pas utiliser un terme plus fort. Et c'est à cette époque que se développent, au fond, ces différents courants diagnostiques. Alors, quels qu'ils soient en commun, parce qu'il y a une très grande variété idéologique, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et bien, je grossis vraiment le trait. Alors, il faut partir d'une conception qui est déjà largement répandue depuis les débuts du christianisme, qui est d'origine judaïque, enfin qui s'est répandue par les faits du christianisme, d'un Dieu créateur qui non seulement a créé, mais continue évidemment à s'occuper du monde et à agir dans le monde pour le meilleur et pour le pire. Alors, si on met en perspective cette conception d'un Dieu créateur personnel et agissant de manière permanente dans le monde, avec la constatation élémentaire que l'être humain est au fond jeté dans la vie et par cette voie dans un monde absurde, chaotique et générateur de souffrance, quelle est au fond la première réaction? C'est de se dire, il n'est pas possible que ce monde soit l'œuvre de Dieu, ou en tout cas d'un Dieu transcendant. Donc, c'est un machin qui a été fabriqué par un bricoleur. Soit incapable, soit sadique, soit les deux. Bon, tout ça est très bien, mais est-ce qu'il y a autre chose que le fameux bricoleur? Ou le bricoleur de saint type. D'où l'idée qu'au départ, il y a le Dieu unique, l'un chulpotin, ou le Dieu de lumière, enfin, il y a toute une série de variétés de termes, dont le Dieu bricoleur, le démiurge, qu'on appelle aussi, j'ai utilisé le terme parce qu'il avait une certaine sonorité, Yaldabaoth, qui est également appelé, mais là je vais éviter parce que la connotation actuelle pourrait me faire taxer d'antisémitisme, le Dieu des Juifs, puisque c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Au-delà, il y a effectivement une idée, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, alors, les différents systèmes gnostiques vont élaborer des théogonies, mais extraordinaires, grandioses. À côté de ça, la théogonie des Hésiodes, c'est du Barbara Cartland, hein, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, complexe, délirant, pour expliquer qu'à un moment donné, dans l'un, dans l'unique, dans l'être pur, mais il y a eu une crise, une espèce de crise ontologique. Et cette crise a provoqué, au fond, une sorte de chute progressive, de déperdition de l'être, à travers, évidemment, ce démiurge où il y a de la barotte, et jusqu'à l'homme. Alors, l'homme, évidemment, qu'est-ce qu'il lui reste? Eh bien, il lui reste une étincelle de lumière, un élément d'identification avec l'être unique. Mais elle n'est plus morte à ce moment-là. Or, elle est morte sur lui. Elle est morte pour tout le sens. Donc, ça n'est plus cette notion de lumière, espérance, malgré tout. Mais justement, c'est le grand problème au fond de la découverte. Ici, je crois qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Et mon grand souci est que le lecteur, pour autant qu'il y ait des lecteurs, garde une marge presque indéfinie d'interprétation. Bon, je n'ai pas fait de déconstructivisme, mais je crois que l'essentiel, c'est la liberté d'interprétation du lecteur. L'intention de l'auteur, ça, c'est une gangue, un carcan, c'est un machin qui est d'ailleurs tardif, qui a été imaginé par Thomas d'Aquin. Et quant à ce qu'on appelle l'intention de l'œuvre, c'est évidemment très aléatoire. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste le lecteur. Ce qu'il vit, ce qu'il ressent, comment il interprète les signes que je lui communique. Donc, je vais autant que possible éviter d'exprimer une intention personnelle qui est d'ailleurs, à mon sens,
très flou. Mais ce que j'ai pu constater à la découverte de certains personnages, c'est que parfois, ils se font mener par le bout du nez. Hein. Ils sont manipulés. Hein. Manipulés. Oui, moi je trouve, parce qu'encore une fois, l'évidence est parfois là. Oui. Et malgré tout, ils se précipitent dans l'entonnoir. De la... Oui. Parce qu'ils ont été justement manipulés. Ils n'ont pas eu ce glaive à sortir et se défendre. Ils ont subi, ils ont accepté. Pourquoi ? Par manipulation, me semble-t-il. Enfin, c'est l'interprétation. Bien. Bon, je n'ai pas évidemment interprété mon propre livre, mais je dis, bon, c'est possible. Mm-hmm. Mais je dis la même chose que Cesare Pavese, lors d'une interview où son interlocutrice avait découvert dans un de ses romans une dimension métaphysique. Bon, Cesare Pavese a dit, écoutez, ça existe sans doute, mais ce n'est pas moi qui l'y ai mis. Donc, cet élément de manipulation, je dois avouer que je n'y ai jamais songé. Le sacrifice final est une manipulation. Est-ce une manipulation? Il y a plusieurs interprétations possibles. Le sacrifice final, donc l'esclave fugitif qui est amené sous la pression d'une bande de brigands à tuer son compagnon, qui est mourant. Ne doit-il anticiper cette mort? En fait, le compagnon n'est pas mourant, il le tue purement et simplement. Mais il est déshydraté, il est affamé. Il est affamé, mais bon, il y en a à qui on donne un couteau en disant tu veux, tu tues l'autre. Alors qu'il ne s'est pas servi d'un couteau. Il y a un légionnaire en rupture de banc qui lui donne quelques conseils. Très sali. Mais je crois que l'essentiel n'est peut-être pas l'aspect purement linéaire au fond du meurtre, et d'un meurtre basé finalement sur une duperie. Puisque on fait croire au meurtrier qu'en tuant son compagnon, il pourra entrer dans la bande de brigands qu'il a recueilli. Alors que précédemment, il a été sauvé. On va fermer les yeux, il va pouvoir s'enfuir, traverser les montagnes et rencontrer... Enfin... Mais, en fait, son compagnon attend la mort. Elle est inéluctable. Et le meurtrier est un instrument, mais il est un instrument de quoi? Est-ce qu'il est un instrument des brigands qui le trompent? Ou est-ce qu'il est l'instrument destiné à placer la victime devant sa propre mort? La conscience. Je ne pense pas qu'il y ait un cas de conscience. Non, c'est un sacrifice. Je le fais ou je le fais pas, j'y passe ou j'y passe pas. C'est une interprétation, il peut y en avoir d'autres. Il y en a beaucoup dans le... Il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Notamment, en fait, si on joue sur cette lumière étrange qui apparaît à la fois à l'horizon et dans les yeux de la victime. Dans le lupanard. Parce que là, oui, oui, il y a quelques visites qui sont... Dans le lupanard, oui. Dans la première, oui. Un lupanard, si on peut appeler ça un lupanard. Mais là aussi, les interprétations possibles sont multiples. Quand on emploie ce mot-là, petit bouton comme ça sous les yeux, oui. C'est pour ouvrir justement cette grande porte de l'interprétation. Exactement. Voilà. Exactement. Là, tu es très fort. Je ne sais pas si je suis fort. Si j'ai réussi effectivement à maintenir une grande liberté d'interprétation, j'ai le sentiment que j'ai réussi. Parce qu'encore une fois, ne fût-ce qu'encore une chute ici, quand Sophia qui est porteuse de lumière, oui. Ma lumière à moi, il y a toujours cette fuite qui est là. Mais où va la lumière morte? Alors qu'il y avait une espérance dans quelque chose, mais cette espérance se transforme directement. Elle se transforme. Et précisément parce que la lumière apparaît sous deux formes dans les différents textes.
elle apparaît soit sous une forme purement métaphorique, soit sous la forme d'une épiphanie lumineuse qui est perçue par le narrateur. Les deux cas de figure existent. Mais dans un cas comme dans l'autre, la question de savoir si ce sens qui apparaît, qui se révèle de manière fugitive à chacun des personnages centraux, est-ce que ce sens, au fond, ne modifie pas leur vie? Ce sens n'est pas la découverte de la sagesse. Le sens se révèle et puis disparaît. Le voile d'Isis s'entrouvre et se referme. D'où la question, où va la lumière? Ils ont eu l'expérience de la lumière et puis elle a disparu et qu'elle était venue. Et là. Grand mystère. Oh, c'est... Mais chaque texte est un grand mystère. Hein. Si vous avez des questions, Pierre, je te remercie. Écoute, c'est moi qui dois t'exprimer ma gratitude. Tu as été un faiseur de roi. Ah, c'est gentil. Pour les questions, ouais, il me semble que, d'après l'interview ici, il me semble que c'est un livre qui a laissé beaucoup de part à l'intime du personnage, des personnages, et que c'est cet intime qui va être finalement découvert d'une façon ou d'une autre par les lecteurs, et que c'est un espace que tu nous laisses, il me semble. Totalement, frappé d'ailleurs par ton intuition, puisque avant du ou pas, en réalité, chaque texte, disons, texte ou séquence, se présente sous la forme, bon, c'est écrit à la première personne, c'est une sorte de monologue, mais c'est une sorte de monologue intérieur qui court dans la suite d'une narration, qui est dans des événements. Mais on part effectivement du monde intérieur des personnages, de leur intimité, et le reste effectivement s'ouvre à l'interprétation. Une interprétation très large, sinon indéfini. C'est bien, c'est hyper intéressant, je trouve. Ça donne très fort envie de lire, justement. Merci. Ah oui. Vous avez mentionné une forme de documentation, je n'avais pas voulu mettre, parce que ça ferait un ouvrage de 50 pages en plus. Les piles de... Non, c'est comme c'est une période qui m'intéresse, j'ai un certain nombre d'ouvrages relatifs à cette période. Que ce soit des ouvrages philosophiques, des ouvrages historiques, ou même des ouvrages d'auteurs de l'époque. Mais pour écrire ce livre, je suis basé essentiellement et fondé exclusivement sur ma mémoire, en laissant une certaine marge à des approximations historiques ou à de très légers anachronismes. Quels étaient les auteurs du temps? Comme historien. Non, de l'époque. Comme historien de l'époque. Et il y a Dion Cassius, Cassiodore, un peu plus tard, parce que c'est le 4e siècle, c'est un roi capital pour l'histoire de l'Antiquité tardive. Il y a Ammien Marcellin. Prodigieux, d'autant plus que, étant à l'origine un Syrien de culture grecque, il écrit en latin, il écrit dans un latin absolument baroque, extraordinaire. On a l'impression d'entrer dans une église baroque de Bavière. C'est comme des ateliers de l'église. C'est un Syrien, quoi. Je parle d'historien, enfin, de sources. Alors, il y a une masse de sources documentaires. Hein, de... Plus alors, il y a des ouvrages d'historien. Il faut être déjà un bon latiniste au départ. Il faut être un bon latiniste, oui. Ben, il faut pas oublier qu'une bonne partie, enfin, Cassius c'est en grec, on est dans un monde gréco-latin. Paul Weiner a consacré un de ses ouvrages, a donné un de ses ouvrages le titre L'Empire gréco-romain. Le latin, pour une bonne partie, en fait pour la partie orientale de l'Empire romain, est uniquement une langue administrative et encore limitée aux relations internes de haute administration et la langue de l'armée. On imagine ce que ça pourrait être comme latin.
Mais en dehors de cela, le latin n'est pas pratiqué, le latin n'est pas une langue de communication, n'est pas une langue de culture dans cette, la moitié, non, la plus rive de l'Empire. On est dans un monde hellénophone. C'est l'occasion de, reviser cette période, parce que là, je n'ai pas oublié. Pour quelle raison vous aviez abordé la gnose, puisque vous en parlez, oui, oui, de manière en filigrane. Oui, mais sous son aspect le plus caricatural, j'ai envie de dire, mais néanmoins exact, hein, je ne retrancherai pas un mot de ce que vous avez dit, qui est le gnosticisme. Oui. C'est une des quatre catégories, en réalité, de la gnose. Bien sûr, mais je parle du gnosticisme ici, dans voilà. Un contexte historique bien défini. Le gnosticisme aussi. Oui, c'est, oui. Voilà. Voilà, oui, oui. Parce que c'est un cas très particulier, le gnosticisme. C'est presque à la limite pas de la gnose, justement. Oui, c'est... je ne prends pas du tout la gnose dans le sens générique. Hein. Je parle au fond de la gnose ou du gnosticisme, tel que les historiens des religions l'abordent comme phénomène propre à l'Antiquité tardive. Oui, mais elle est englobée dans un phénomène plus général, oui, qui est la gnose. Oui. La gnose du premier type, qui est complètement moniste, un peu à la mode des maîtres écarts, Jacob et Deux, Angelus Silesius et d'autres. Le deuxième type, qui est effectivement le gnosticisme, avec un dieu qui est complètement abruti pour avoir créé un monde pareil, mais en arrière-plan quand même, une sorte de transcendance qui est là, qui s'en fout complètement de ce que fait l'autre. Exactement. En gros, c'est ça. Et puis une troisième gnose, qui est la gnose dite imaginale, pas imaginaire, hein, c'est imaginable, imaginale, oui. Et une quatrième qui englobe les trois, elle n'apporte pas le nom. Mais elles sont plus importantes, en fait, que le gnosticisme, qui est complètement réducteur, lui, par rapport à la gnose. C'est pour ça que je m'interrogeais. Oui, mais entendons-nous bien, je n'ai pas écrit un ouvrage sur le gnosticisme ni sur la gnose. Non. Il y a une coloration gnostique, mais telle que le gnosticisme pouvait, enfin, c'était en tout cas mon propos, être vécu ou conçu de manière, somme toute, très simplifié et linéaire par les personnages que je mets en scène qui sont des gens simples qui ont entendu, ils ont entendu les discussions, ah oui, des prédications, et qui ont conservé en mémoire, qui vont conserver en mémoire et qui trouvent évidemment une adéquation complète entre oui, la vision mettons, dualiste simplifiée du manichéisme. Une sorte de populisme d'époque. De populisme, on veut. Pas de populisme, de thèse, ce sont simplement ce que pouvaient glaner des individus simples de contacts épisodiques, de prédications qu'ils pouvaient entendre et qui accueillaient en eux des conceptions simplifiées mais qui s'adaptaient parfaitement à la vie qu'ils menaient. C'est-à-dire, bon, pour parler grossièrement, une vie de merde. Et bon, alors, est-ce qu'il n'y a que cela, ou bien est-ce qu'il y a une explication? Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour vivre comme ça? Exactement. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Thank you.